question, c'est que nous sommes venus nous enquérir de l'état du processus électoral. Vous savez que l'alternance de la République est une plateforme électorale qui est fortement intéressée par l'issue du processus en cours. Nous avons eu un certain nombre de moments. Nous allons retourner au niveau de votre plateforme parce que je vous annonce que nous avons un atelier sur notamment le cycle électoral, mais aussi la situation générale du pays qui va démarrer demain. Et à l'issue de cet atelier, l'ensemble des éléments qui nous ont été donnés ici vont être pris en considération pour pouvoir vous donner une position que l'alternance de la République aura sur le processus électoral et sur la situation politique du pays. Ce dont je peux vous assurer, c'est que nous sommes préoccupés, comme tous les Congolais, de la nécessité qu'il y a à finaliser dans les délais tel que contenu dans l'accord global et inclusif de la CEPO, le processus électoral pour les élections en décembre de cette année et la finalisation du fichier électoral et la publication du calendrier. Maintenant, pour l'ensemble de ces éléments, nous vous donnerons la position définitive à l'issue de notre atelier que nous commençons demain. Et donc, nous ne pouvions pas aller à l'atelier sans avoir eu de la centrale électorale elle-même les éléments tels que le processus actuel est en train de se faire. Tous les éléments sur le déroulement actuel du processus d'enrôlement des électeurs, sur la situation telle qu'elle se présente, toutes les activités qui vont suivre. Et nous avons fait part de notre volonté de nous en tenir au terme de l'accord, c'est-à-dire avec l'organisation des élections qui soient crédibles et apaisées en décembre donc, de cette année. Et pour les autres considérations, prenez votre mal en patience. À l'issue de l'atelier, après évaluation au sein de l'alternance pour la République, nous vous donnerons notre position. Comme vous pouvez vous en douter, nous avons exigé que les opérations d'enrôlement dans le Kassai commencent, comme c'est le cas ailleurs. Il a donné des assurances que ceci va démarrer dans les prochains jours. Et donc nous attendons de voir que ce processus puisse effectivement démarrer et que les populations du Kassai, comme toutes les autres populations, puissent être présentes au moment du vote des élections du Sud. Nous saluons d'abord la venue à la commission électorale de responsable de l'AR, donc l'alternance pour la sur leur demande, ils voulaient s'enquérir comme la plus honorable de l'état d'avancement du processus électoral. Ceci est d'autant plus intéressant que l'échange nous a permis de faire un état des lieux pour le processus. Et nous sommes tous, moi tout de même, nous sommes tous d'accord que nous travaillons dans l'esprit de l'accord. Ce qu'il va falloir, il va falloir que nous continuions l'enrôlement, l'identification de l'enrôlement des électeurs. Nous sommes en 32 millions d'électeurs, c'est ce que nous avons communiqué, 32 millions d'électeurs inscrits. Il ne nous reste que moins de 10 millions d'électeurs. Une fois l'enrôlement terminé, nous passerons à la répartition des sièges, nous convoquerons l'électorat, on commandera les matériels sensibles. Formation et agents et déploiement de matériel électoral, c'est un chemin qui est devant nous. Il faut faire des efforts, que tout le monde travaille, chacun se fait ça. On arrive à cette élection que je connais par notre plus ou moins notre centre de développement, comment il est en fait, il est en fait pour les dédoublonnages des niveaux tels que nous l'avons prévu dans notre planification. Il a été aussi question du calendrier. Et nous leur avons exprimé les éléments, les petits réglages techniques que nous attendons pour la publication de ces calendriers qui est permanentement validé. Nous ne sommes pas concernés par l'aventurisme de ceux qui se sont retrouvés au palais du peuple pour fabriquer un sein de sang artificiel.
le CENSA qui doit être opérationnel, c'est celui de l'accord sous la direction de l'évêque, des évêques, je veux dire, et de la synthèse. Mais ce qui est fait au Palais du Peuple sous la coordination de deux présidents du Parlement n'engage que la majorité et ce que les gens subissent. Vous parlez de l'accord, mais l'accord a été appliqué, il y a un premier ministre qui a été... Non, le premier ministre a été placé par raccourci, c'est-à-dire ceux qui ne voulaient pas appliquer l'accord ont préféré se retirer dans une chambre pour proposer leur premier ministre. Cela ne nous engage pas. Parce que vous vous souviendrez que le chef de la délégation du rassemblement était connu, c'est M. Félix Tshisekedi. Et l'accord était clair là-dessus, que le premier ministre sera présenté par le rassemblement. D'où vient le groupe Olengankoy? C'est une fabrication de M. Kabila et ses hommes pour faire un raccourci, et ils seront rattrapés par le temps. Nous ne pouvons pas faire leur chemin. Qu'est-ce que vous proposez à la fin? Respect de l'accord. Respect de l'accord, parce que les élections doivent se tenir le 31 décembre. C'est ça notre souci. Apparemment, c'est une dynamique déjà enclenchée depuis la nomination du Premier ministre et maintenant l'installation du bureau du CENSA. Que deviendra l'AR ou la frange de l'opposition? Nous venons d'être avec la CENI. D'abord, la CENI est constituée sur le plan technique, sécuritaire et financier. Je ne vois pas, c'est pour une consommation extérieure seulement qui va aller vite pour chercher à monter un CENSA à l'heure. Image et provoquer justement le glissement. Ils vont demander à celui qui sera désigné, en accord avec la CENI et le gouvernement, en disant nous n'avons pas le moyen, est-ce qu'on peut aller jusqu'en 2018? C'est ce que nous autres devons faire. Les ouvriers du kabilisme, habitués à de tels comportements, mais cela n'engage pas notre peuple. Le président de la CENI vous a présenté ce qui ressemblait à un calendrier électoral. Vous êtes... Non, je crois qu'après toutes les analyses, le président se sent gardé que nous allons communiquer notre position. Mais si dans l'impossible, il faut organiser l'élection présidentielle. Parce que celui-là ne pose pas tellement de problèmes. Dans l'impossible. Là, nous n'allons pas accepter de soutenir. Merci. Merci. Kevin.